Hello. Hello. Who are you? I'm John Stewart. Bonjour, comment tu t'appelles? Martial. Qu'est-ce que tu fais là? Ben je tiens un stand au nom du réseau du sortir du nucléaire. Une fédération d'associations qui ont tout un fond commun, c'est-à-dire la sortie du nucléaire. Merci. Hello. Hello. Who are you? I'm John Stewart. Bonjour, comment tu t'appelles? Pascal, de Rennes. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je me suis dit, je vais faire un petit tour à Notre-Dame. Ah ouais, t'aimes bien? Ah, j'ai un kiff. C'est la première fois que tu viens? Non, ça va être la sixième ou septième fois là, d'affilée. Très bien. Ouais, on se croise d'ailleurs souvent. Et c'est quoi dans ton dos là? Ça, c'est un rêve. C'est quoi ce rêve? Un village d'Alternativa à Rennes, au mois de juin 2015. Qui s'inclut dans 50 autres villages d'Alternativa en toute l'Europe. Après celui de Nantes au mois de septembre 2014. Comment on fait pour participer? Ben, il suffit de venir et puis avoir de la bonne volonté, du positif, être simple et puis venir en tant que citoyen quoi. Venir où? Ben, aux réunions, sur internet, on a tous des adresses, des repères Facebook, etc. Donc on cherche Alternativa. On tape Alternativa, après on recherche le contact local et puis voilà. D'accord. Sachant que tu as un tour aussi, le tour Alternativa en 2015. Merci, c'est bon. Salut. C'est bon, ben, je te remercie, Kiss. Hello! Hello! Who are you? I'm John Stewart. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ronan. Eh oh, toi là! Tu t'en vas, tu discutais avec ce certain Ronan, c'est ça? Tu t'appelles comment? Jackie. Vous discutiez de quoi? Mais tu connais pas Jackie? Mais si, on se connaît. Alors? Mais je suis censé être neutre. C'est un journaliste. On disait que. Et alors, Jackie était plus pessimiste. Moi, je disais qu'on a gagné beaucoup et que globalement, le gros des combats que j'ai pu mener, on les a gagnés. J'ai commencé ma vie militante à Plogoff, on a gagné. Après, on a eu le carnet, on a gagné. On a eu Don Geste, on a gagné. Et Notre-Dame, on est en train de gagner. Et tu en pensais quoi? Moi, la dernière grande victoire auquel je pense, c'est celle du TCE en 2005. Tu ne seras peut-être pas d'accord. Et ACTA quand même. Ah ben TAFTA, c'est une lutte qu'il faut mener. Et... Non, ACTA. ACTA, c'est une victoire. On a gagné ACTA. Finalement, bon, on s'engueule, mais finalement on a des combats communs. Ça veut bien on dire. On a des bons résultats, sans qu'on dire. S'entend. Je crois que le débat mérite qu'on s'engueule de temps en temps, voilà. quand on a des divergences. Voilà, mais on se parle entre gens civilisés et on fait progresser. Chacun sa stratégie, mais on fait progresser dans le même sens. Tant qu'on peut débattre, qu'on a un certain nombre d'accords sur notre position, la lutte continue et le débat aussi. Tous ensemble. Voilà. Et les seuls combats qu'on perd sont ceux qu'on n'aime pas. Voilà. Eh ben, on est venu pour représenter à Notre-Dame-des-Landes la dynamique Alternativa. C'est quoi? Alternativa, c'est des villages des alternatives qui se construisent partout, qui montrent que la société déjà vit autrement. La prochaine, c'est où? La prochaine Alternativa, qui fait suite à celle de Bayonne qui a lieu en 2013 et qui a réuni 10 000 personnes, aura lieu à Nantes le 28 septembre. D'accord, tu y seras? Évidemment, et je serai même avant le 21 septembre à Gonesse, en banlieue parisienne, pour démonter un petit peu le projet d'Europa City. Hello! Hello! Who are you? I'm John Stewart. Bonjour, comment tu t'appelles? Christine! Qu'est-ce que tu fais? Je fais partie des jeunes écologistes! Maman, je ne sais pas pourquoi je suis si bien dans tes bras. Et si l'amour ne nous suffit pas, nos passants ne passeront pas. Nos passants. Ne passant pas. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Françoise. Qui t'es?
Une zadiste. Une zadiste. Bah aujourd'hui, j'occupe, oui. Je suis pas du tout chez moi là. Ah, t'es une dangereuse terroriste. Bah il paraît. Peut-être même la vitrine légale d'un mouvement armé. Ah, et c'est agréable. Ça a un petit côté aventure, ouais. D'accord. Ouais, petit frisson de l'interdit. Pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger, on va s'aimer encore. Là, pendant des années, moi j'étais là, moi. Bonjour, comment tu t'appelles ? Nadine. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai entendu du bruit, sans déconner, ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Ils ont fait un raffut. Je suis venue. Ah, d'accord. Puis finalement, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, au fait, j'avais oublié. Donc voilà, je suis là. D'accord. Et ils sont là pour quoi, tous ces gens ? Bah, je crois qu'il y a une question de train. D'avion. D'avion. Ils veulent un aéroport, c'est pour ouais, ça. Ouais, ouais. Ils sont là tout à l'heure, ils trépignaient. Et... Ils en ont marre, quoi, d'être complètement noir. Ah non, non. Il n'y a jamais personne qui arrive à venir ici, c'est ça. Mais sans déconner, voilà. T'as vu le temps qu'on a mis pour arriver sur ce site. Et puis là, on regarde autour de nous, il y a quoi, 10 Pékin, quoi. C'est impossible, c'est pas d'accès, il y a besoin d'avion. C'est vrai, hein, c'est vrai. Avec mon pistolet à bouchon. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Babette. Qu'est-ce que je fais ? Là. Je joue avec des tuyaux. Mais celui-là, il n'est pas totalement opérationnel. Tu es bénévole, c'est ça ? Certains ont des fentes. Tu es bénévole ? Oui, je suis bénévole. Et à quoi ? Au tri des déchets. Il y en a qui disent poubelle, mais moi, je préfère tri des déchets. D'accord. Voilà. Sans utile. Ah ben, complètement. Et même tous ceux qu'on a motivés en tant que bénévoles, parce que moi, j'étais plutôt coordonnateur. Et maintenant, il n'y a plus de bénévoles. Supplémentaires. Donc tous ceux qui étaient bénévoles, ils ont été motivés. Ils avaient une brouette pour vider, ils avaient... très sympa. Voilà. Merci beaucoup pour ton engagement. Et bien c'est sympa de le reconnaître, merci. Hello. Hello. Who are you? I'm John Stewart. Oh, thank you. Right, no problem. Bonjour, comment tu t'appelles? Alors moi c'est Jacques Tetter. Ah, et qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis dans l'organisation des forums débats. Forum débat. On parle de quoi ? Des trucs ? On parle de tout ce qui peut tourner autour de l'aéroport. Donc, on a organisé environ 40 forums débats, des tables rondes et puis le meeting de dimanche matin. Donc, c'était une équipe qui a organisé cette préparation des forums débats. Puis, on les a animés dans les différents Barnum. Voilà. Et ton meilleur souvenir ? Ben c'est le meilleur souvenir, c'est le succès que ça remporte parce que il y a vraiment beaucoup de monde dans les débats et ça fait très plaisir. Et quel que soit le débat d'ailleurs, et avec des sujets qui paraissent plus difficiles à aborder que d'autres et on a toujours du monde. Bref, on reconstruit le monde à Notre-Dame-des-Landes. Ah, c'est sûr. Et de Notre-Dame-des-Landes va partir le nouveau monde. Oui. On appelle tous de nos vœux. Ah, c'est un nouveau monde à Notre-Dame-des-Landes, ça c'est sûr. Merci beaucoup. De rien, plaisir. Oh, thank you. Oh, right, no problem.